J'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir notre présente mission. Encore une chose, cobaye. Faut que tu uploades l'histoire de Shay. Mais pas dans Helix. Je veux que cette histoire parvienne à des personnes bien précises. Otsoberg, la grande star du programme d'entraînement Animus. Montre-nous ce que tu vaux, sale connard arrogant. Si vous insistez, Master Cross. Je crois que mon entraînement touche à sa fin. N'êtes-vous pas de mon avis? Qu'y a-t-il de si drôle? Tu peux me tromper sur ton compte. T'es pas arrogant. T'es juste un crétin de première. Oh. Ton corps, ton esprit, tout ça t'a été volé. Tu comprends? Tout ce qui reste, c'est les voix. Je n'ai pas le même problème que vous. Mes sessions d'Animus ont été soigneusement... Non, non! Mes voix sont des fantômes. Elles sont mortes. Elles sont condamnées à répéter les mêmes choses. Encore et encore. Et encore et encore. Mais celles qui sont dans ta tête ne partiront jamais. Tu leur appartiens maintenant. Je suis au service de l'ordre. Tu n'es même plus un être humain. Tu es un outil, une arme, un jouet. Nous en avons terminé. Et dans leur nouvel ordre mondial, il n'y a pas de place pour les jouets usés comme toi et moi. Attentes. Servez-vous du terminal pour uploader l'histoire de Shay sur le réseau des assassins. Montrons à la confrérie sa faiblesse et qu'elle n'est pas de taille à nous affronter. Les
les assassins de l'ère moderne sont faibles. Tôt ou tard, je finirai par les débusquer et je les tuerai. Jusqu'au dernier. Mais leur mort n'est pas suffisante. La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. Fais-le sortir. Je veux qu'ils prennent conscience de leur faiblesse. Je veux que le monde entier les voie souffrir. Et le jour où ils croiseront ma route, la mort que je leur offrirai sera pour eux une délivrance. Shay avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Mon plan est en marche. Je n'ai plus rien à vous demander. Mais l'histoire de Shay demeure inachevée. J'aimerais beaucoup que vous la meniez à terme. J'avoue, tu m'as bluffé. T'as vraiment assuré, Cobaye. Et oui, moi aussi je fais partie des Templiers. Depuis des années. Il reste un petit bout de mémoire à explorer. Je sais que c'est difficile, mais je crois que tu devrais l'avoir. Quand t'auras complètement terminé l'histoire de Shay, crois-moi, ta vie va changer. Un bon conseil, tu ferais mieux de terminer tout ce que t'as à faire avant de retourner dans l'Animus. Palais royal de Versailles. Résidence de Louis XVI et Marie-Antoinette. Quelle décadence! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay! Vous me semblez apprêté pour côtoyer la noblesse. Peut-être le roi Louis en personne vous accordera-t-il audience. Je doute que cet habit me donne accès aux appartements du roi. Qu'importe, je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Oui. J'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique. Ils le devraient. Ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout, Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. C'est lui. Charles Dorian.
parlez toujours d'une totale honnêteté. Nous allons devoir nous faire au goût du rosbif. Je ne sais pas, mais je lui offrirai bien une bonne bouteille. Demande le goût à la viande rousse. Quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise, je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Arnaud ? Où es-tu passé ? Ah ! Vous ! C'est vous le traître ! Je solde de vieux comptes, voilà tout. Vieux, Connor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Respectez les préceptes de notre ordre. Et tout ce que nous défendons, ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Restez fidèles, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormac, templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge. Peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici aujourd'hui. Je dois bien reconnaître que t'as largement dépassé ton statut de cobaye. Les données extraites des mémoires de Shay Cormac se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face au danger, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or, nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'Animus n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Nous existons depuis des millénaires, bien avant l'histoire connue de l'humanité. Et venons de renaître de nos cendres, derrière la façade d'Abstergo Industries. Et Entertainment. Vous avez franchi le seuil. Et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer. On a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidé jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. Et elle commence par un choix. Rejoignez-nous, et vous connaîtrez un avenir radieux. Refuser ?